ça risque de créer justement une sorte de cacophonie dans la conduite des opérations sur terrain avec la multiplicité des commandements. Un commandement pour l'armée congolaise, un commandement pour la MONUSCO qui est sur place, qui n'est toujours pas partie, un commandement pour cette force de l'EAC qui doit s'installer. Avec cette multiplicité de commandements, il n'y a pas espoir de réussite. Mais si on pouvait s'appuyer sur une seule option et dire nous renforçons l'armée républicaine, nous mobilisons les moyens et les efforts pour cette armée, on pourrait savoir évaluer les efforts de l'armée et se dire l'armée a réussi ou échoué avec sa population. Ce que nous avons besoin, c'est la réussite, c'est la solution, c'est la fin de la guerre, c'est ça le besoin de la population. Et si cette armée vient pour résoudre les problèmes, pour nous, nous dirons bienvenue. Mais nous sommes en train de nous baser aux expériences précédentes avec la MONUSCO d'une part et l'armée ougandaise d'autre part, qui ne se sont pas bien comportés sur le terrain et qui n'ont pas amené la population à la réussite, aux résultats escomptés. Voilà pourquoi nous continuons à penser qu'il n'y a pas un étranger qui viendra mourir pour les Congolais. Dès lors que nous sommes comptés parmi les pays africains les plus peuplés, il faut aussi compter sur la population congolaise, sur cette jeunesse dynamique. L'expérience avec certains militaires congolais, les Mamadou, les colonels Mamadou, général Bahouma et les autres militaires congolais, on a senti qu'il y a la possibilité d'aller au résultat si les moyens requis sont disponibilisés pour les forces armées de la République et si on fait un sérieux nettoyage au sein de l'armée pour résoudre ce genre de problème.